J'avais demandé aux joueurs d'essayer de, bien sûr, d'atteindre la barre des 80 points, voire au moins prendre un point pour égaler le record du club. Ça s'est pas fait. Je crois qu'on a eu énormément de maîtrise ce soir dans le jeu. Malheureusement, il y a eu quelques contres qui nous ont fait mal. Et c'est sur trois ballons perdus qu'on prend trois buts, alors qu'on avait la possibilité, je pense, de pouvoir marquer avant eux et de pouvoir tuer ce match avant. Malheureusement, ce soir, ça a tourné dans leur sens et pas dans le nôtre. Non, il manquait surtout de la qualité dans le dernier geste, comme je l'aurais dit à la mi-temps. J'avais pas la sensation qu'on était mis à défaut par cette équipe du Havre, qui est quand même une équipe qui a été relativement remaniée. Donc on aurait sûrement dû faire mieux. Et je suis un peu déçu ce soir de ne pas venir finir la saison sur au moins un point. Et c'est toujours difficile. Je suis assez compétiteur, j'aime pas trop perdre. Et je pense qu'on aurait dû quand même malgré tout faire mieux ce soir. C'est jamais anecdotique de perdre. On n'a pas fait tout ce qu'on a fait, on n'a pas mis tout ce qu'on a mis depuis le début de l'année pour galvauder quoi que ce soit. Je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match. Et on a joué avec beaucoup de sérieux, mais malgré tout, pas assez de consistance dans le dernier geste et devant le but pour pouvoir gagner cette équipe du Havre.